Bonsoir à toutes et à tous et merci de participer à cette émission spéciale consacrée au coronavirus. Monsieur le Général de Gaulle, vous êtes le premier à vous prêter à l'exercice. Comment concrètement enrayer cette épidémie ? Paris martyrisé, mais Paris libéré. Non, justement, mon Général, l'épidémie est toujours là, en fait. Libéré par lui-même, libéré par son peuple, avec... Très bien. C'est à votre tour, Monsieur Pompidou, de nous dévoiler votre stratégie pour gérer cette crise. En 1940, De Gaulle a sauvé l'honneur. D'accord. Mais quel est votre avis personnel sur la question ? En 1944, il nous a conduits à la libération. Nous voilà bien avancés. Monsieur Giscard d'Estaing, que répondez-vous aux personnes qui souffrent de problèmes cardiaques, comme moi au passage, et qui sont particulièrement inquiètes en ce moment ? D'abord, je vais vous dire quelque chose, je trouve toujours choquant et blessant de s'arroger le monopole du cœur. Bien sûr, mais néanmoins, les Français attendent beaucoup de... J'ai un cœur comme le vôtre, qui bat sa cadence et qui est le mien. Vous n'avez pas le monopole du cœur. Pas faux. Bien, quelle soirée. On enchaîne avec vous sans transition, monsieur Mitterrand. Les Français sont suspendus à vos lèvres. Je ne suis pas votre élève. Vous n'êtes pas le président de la République ici. Vous êtes simplement mon contradicteur. Monsieur Mitterrand, on connaît parfaitement vos punchlines, mais nous ne sommes pas dans un débat de l'entre-deux-tours. L'heure est grave quand même. Et vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. Monsieur Chirac, quelle serait votre solution à vous ? La pomme est un fruit sympathique et je l'observe tous les jours. Et donc vous pensez que la pomme serait plus efficace que l'hydroxychloroquine ? Peut-être, c'est aux Français de le dire. Monsieur Sarkozy, qu'en pensez-vous ? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Alors, pour être sûr que les Français comprennent, la racaille dont vous parlez, c'est le coronavirus ? Ce n'est pas très clair. Casse-toi, là, pousse-toi, là. Sympa. Monsieur Hollande, la situation empire de jour en jour. Quel message voudriez-vous adresser aux Français ? J'aimerais bien pouvoir dire une phrase. Mais que faites-vous là, Madame Le Pen ? Je sais que vous êtes un peu stressée, mais laissez-moi parler. En effet, je suis un peu stressée, mais ce débat n'en reste pas moins réservé au président de la 5ème République. Et enfin, Monsieur Macron. De nombreux Français souffrent actuellement d'une situation très précaire, trop précaire. L'État peut-il les aider financièrement ? Vous n'êtes pas me faire peur à votre petit cœur. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. On met trop de pognon, on déresponsabilise et on est dans le curatif. Alors justement, en parlant de curatif, et ce sera la dernière question, est-ce que la France aura bientôt suffisamment de masques ? Je traverse la rue, je vous en trouve. Impeccable. Merci à tous pour votre contribution, la synthèse paraît somme toute extrêmement rassurante, et je pense que les téléspectateurs aussi sont convaincus, le coronavirus sera bientôt de l'histoire ancienne. A très vite.